du TNT Show et place au live. Et ce soir, un très très beau programme puisque nous recevons une artiste que vous aimez beaucoup. Elle a conquis le cœur des Français, c'est votre chouchoute et vous avez bien raison parce que nous, on l'a vue toute l'après-midi. Maintenant, on sait à quel point elle est gentille, elle est naturelle, elle est généreuse et puis elle revient avec un album absolument magnifique. Ce soir, c'est sa carte blanche, c'est Jennifer, bien sûr, qu'on peut applaudir très très fort. Côté, eh bien, nous avons beaucoup de chance que nous aurons avec nous le poète Tété, Stanislas, Mickey Green ou encore Jean Racine. Un plateau très très beau ce soir, de qualité. On va tout de suite démarrer l'émission, bien sûr, en chanson. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Jennifer, donc, je le disais, revient après quelques années d'absence sur le devant de la scène nous présenter son nouvel album. Elle est plus belle que jamais. Musicalement, ils ont placé la barre très très haut et elle nous fait découvrir ce soir plusieurs titres de son album en live, bien sûr. C'est le principe du TNT Show. On applaudit bien fort et on écoute tout de suite tourner ma page et on l'accueille juste après. Tourner ma page. Bravo Jennifer, viens nous rejoindre. Lunatic, premier album qui s'est classé directement numéro 1 du top album, je t'en prie. Petit micro, il est déjà numéro 1 des ventes, bravo, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et tu seras notamment le 10 avril au Zénith à Paris et puis après bien sûr en tournée dans toute la France. On est ravis de t'avoir sur ce plateau, vraiment. Je suis ravie d'y participer aussi, je suis un peu encore tremblante, mais qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir participer à une émission où on peut jouer en live comme ça, il y en a très peu, donc c'est un bel honneur et je suis très contente d'être là, sincèrement. Merci beaucoup, vraiment ça fait plaisir. Alors je disais, l'album c'est classé directement numéro 1 du top album, je pense que ça fait plaisir, c'est rassurant quand on ose ça fait plutôt changer plaisir. Un petit peu. C'est vrai, surtout qu'il y a un certain changement. Je suis toujours la même, juste on grandit, on évolue et maintenant à savoir si c'est dans le bon ou dans le mauvais, c'est comme je dis, mais en tout cas je me fais plaisir avec les chansons que je chante aujourd'hui. C'est des chansons qui me correspondent, telles que je suis aujourd'hui. Il y a des sonorités complètement différentes, donc il y a changement effectivement. Et le fait d'arriver numéro 1, j'avais une petite crainte quand même parce que je me dis est-ce que les gens... est-ce qu'ils vont adhérer à la musique différente que je leur amène? Est-ce que certaines personnes vont me suivre? Est-ce que d'autres vont m'écouter? Est-ce que ça va pas plaire du tout? Et j'ai été agréablement surprise, donc merci pour votre soutien. Surtout que c'est vrai qu'on lit dans pas mal d'interviews, c'est la nouvelle Jennifer qui arrive, alors que c'est tout simplement Jennifer telle qu'elle est depuis le début, mais qui évolue, qui est maman, c'est une femme et qui a des goûts et qui a envie de chanter des choses à une certaine période et puis d'autres à une autre. C'est un peu ça. Et puis je me suis retrouvée au fur et à mesure. Au début, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais juste essayer de faire de la scène, de m'éclater. J'ai choisi toutes mes musiques jusqu'à maintenant. Davantage aujourd'hui parce que j'ai appris à travailler en studio. Je ne savais pas trop. Et à prendre ton temps aussi. Et à prendre le temps. Donc j'avais envie d'être libre, de faire de la musique, de m'éclater à faire de la musique. Avec les gens qui m'ont entourée pour mon album. Et donc il fallait du temps pour ça parce que j'avais envie de changement. J'ai d'abord pensé à la scène. Je voulais une autre structure sur scène, je voulais des cuivres, je voulais tout ça, donc il fallait du temps pour pouvoir faire de la nouvelle musique, quoi, tout simplement. Combien de temps vous avez travaillé sur cet album, à peu près ? On a à peu près travaillé, un an et demi. En fait, on a fait beaucoup de musique, beaucoup de bœuf, et ensuite, on s'est concentré sur l'album. J'ai tenu à ce que ce soit Maxime Nucci, qui est un musicien depuis son plus jeune âge, dont je suis absolument fan. Et j'avais vraiment envie de lui demander de me donner du temps. Ah, super jeu de mots. Donc ça a mis un an, on va dire, pour faire l'album. Un an et demi. C'est vrai que Maxime déjà est venu faire cette émission. Donc quand je préparais mes interviews, je me suis dit bon, question bateau, pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec Maxime? Mais bon, quand on le voit jouer de la guitare et jouer de tous les instruments et qu'on l'écoute un petit peu, la question se pose même pas parce que c'est vrai que ça tombe sous le sens. Il a tellement de talent. Il est musicien avant tout, quoi. Avant tout. Et multi-instrumentiste en plus, donc. Voilà. Et il a fait cet album sur mesure. Comment vous avez travaillé concrètement tous les deux? Bien en fait, est-ce que tu savais quand même? C'est venu très naturellement. Il joue beaucoup de musique à la maison ou en studio et on passe du temps ensemble. Et puis voilà, c'est venu hyper naturellement en fait. Après, je lui ai demandé s'il était ok pour me faire un album.
au début, il était un petit peu frileux parce que cette espèce de notoriété, tout ça. Et puis finalement, c'est quelqu'un de très passionné qui fonctionne au feeling et pas par rapport à. Il se trouve que qu'il ressentait des choses et que je l'ai inspiré, donc c'est cool. Donc je le remercie encore aujourd'hui. J'ai été sa muse pendant un an et je me suis éclatée à l'être. Et il a été très inspiré, puisque cet album, on va en parler toute la soirée, mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Il est très, très riche et vraiment, on se prend une claque, voilà, quand on l'écoute. Merci déjà. Beaucoup. Je crois que tout le monde était fan de ce que tu faisais, mais c'est vrai que cet album est plus mature et il est vraiment excellent. Et je répète, on est très content que tu sois là. On va continuer l'émission avec un autre artiste qui a énormément de talent. Voilà, je disais, c'est comme si on ouvrait un livre et qu'on s'évadait un petit peu. Et c'est un vrai régal, cet album. Jennifer, je sais que ça te tenait à cœur. Tu l'as dit, c'était ça. Voilà. Le mot voyage, moi quand je l'écoute, moi je suis fan depuis longtemps voilà quoi. Voyage. Ouais, je voyage, il transporte très c'est facilement. D'ailleurs, rien que le titre, hein. je sais qu'on te l'a demandé souvent. C'est un titre un peu énigmatique. Enfin, déjà, merci de m'avoir invité. Et puis, je sais pas, on a essayé de le concevoir comme un conte, un recueil de contes en fait, cet album. Allez t'installer. Pour une autre chanson. On peut l'applaudir très très fort. Le 10 avril, elle sera au Zénith à Paris, en tournée dans toute la France. Album qui est déjà numéro 1 du top album. Et ça se comprend. Quelle ambiance sur ce plateau. Et nous avons David Verlan qui nous a rejoint. Je vous donne un petit Mon micro. Mon gros David Verlan. Si vous aimez l'album, eh bien, vous aimez les textes. Et si vous aimez les textes, vous aimez David Verlan. N'est-ce pas, Jennifer? Carrément. Qui l'on doit. Sans lui, je pense que j'aurais pas forcément fait le son qui se trouve sur cet album. Parce que tu m'expliquais qu'en fait, avec Maxime, vous avez vraiment fait les musiques sur partir ces des chansons. Textes. Il y a eu d'abord tous les textes. Voilà. D'abord, il y a eu une rencontre. Non, d'abord, il y a eu quelques textes envoyés à Franck, mon manager. J'aurais été de bouger dans tous les sens. Parce que la chanson, déjà, elle est tellement rythmée qu'après, il faut prendre son souffle, parler. Et donc, prendre ton temps. Et donc, il envoie quelques textes à Franck. Dans ces textes-là, il y a des textes qui m'intéressent. J'ai envie de rencontrer David, que je ne connaissais pas forcément. Je le rencontre et il y a un espèce de coup de foot qui se passe. Et puis, on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est un passionné de musique. C'est un passionné tout court de la vie. De la vie. Voilà, c'est un artiste à l'état pur et quelqu'un dont je suis littéralement tombée amoureuse, un personnage, et j'ai pas eu besoin de énormément lui parler, j'ai indiqué aucun thème et c'est lui qui m'a proposé cette palette de sentiments qu'est l'amour. Alors David, voilà, merci, c'était super. Au revoir, merci, à bientôt. Dis-nous. Merci. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré chez Jennifer? En fait, je l'avais vu dans une émission il y a quelques années, j'étais dans une vie de couple, dans la chaleur d'une histoire. Et puis le temps passant, les choses... Et j'ai repensé à elle, à ce petit moment où je l'avais vue dans cette émission, où j'étais à deux, et là j'étais tout seul. Et je me suis dit, tiens, il va falloir que j'écrive pour me sortir de ces méandres. Et j'ai pensé à Jen et... Je lui ai envoyé des textes. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. En gros. Ça va? Oui. Après, il a passé du temps avec nous beaucoup en studio. Il ne m'a pas juste envoyé des textes. Et, non, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais besoin d'avoir, je ne sais pas, des choses, de l'échange. Je ne voulais pas juste choisir des chansons sans rencontrer forcément tous les gens, comme j'ai pu faire à une certaine époque. Là, j'avais vraiment envie de que ce soit personnel de m'investir, aussi, que ce soit plus personnel. Et donc, pour ça, il fallait avoir un certain feeling avec, que avec intense, l'autre. Quoi. Que ce soit intense. Pour que ça puisse me correspondre. Et puis, ouais. Voilà, quoi. Et c'est devenu intense parce que c'était des petits moments comme ça en studio et on se voyait, moi je réfléchissais dans mon... voilà. Alors il y a des très belles chansons sur cet album. C'est difficile, pardon, excusez-moi, mais c'est difficile de parler de... Quand on écrit, c'est qu'on...
c'est qu'on y trouve plus de facilité pour s'exprimer. Tu parles bien, t'arrêtes. Ouais, je parle bien. Ouais. Je l'adore, je l'aime comme ma petite sœur. Non, mais ça prouve que vous n'êtes pas. Ça prouve tout simplement que vous n'êtes pas pris la tête, quoi, qu'il n'y avait rien de calculé. Non, puis il y a eu. T'as inspiré David. David nous a fait des textes absolument magnifiques, qui sont recherchés et qui sont vus naturellement. Donc. Ouais. Vous avez de la chance, vous avez beaucoup de talent. Aussi. Merci. Je t'ai coupé la parole, pardon. Merci, non, rien. Moi aussi, je l'aime. En tout cas, il y a des chansons que j'adore et Tourner ma page, c'est déjà un énorme tube. On va parler du clip, d'ailleurs, tout à l'heure, qui est très, très beau. Je crois que c'est, vous l'avez fait en studio, mais t'étais perché, non il y a Non, eu j'étais sur, des buildings, sur un building. T'as pas bien ah vu. Ah bah oui, c'est ça, mince. À Hong Kong. Mais tu n'avais pas le vertige, en tout cas. Non, on va pas continuer. Du tout, je n'ai pas du tout le vertige. En chanson avec une autre très avant, belle chanson. Avant, je détestais à peu près tous les musiciens dans la vie réelle. Et pourquoi ? Parce qu'on est tous égocentriques. Parce que on pense, la vraie vie, on connaît pas toujours. Et non, Calo m'a montré que les musiciens pouvaient être des gens intéressants. Ouais. Donc j'ai rencontré avec lui beaucoup de musiciens. Calo, je suppose que tu l'as déjà croisé plein de fois. Tu le connais, Calo, Jennifer. Oui. C'est un bel artiste aussi, bon camarade. Que j'aime beaucoup, un mec bien, un mec sympa. Mais vous, par exemple, quand tu participes depuis quelques temps aux Enfoirés, à chaque fois que j'ai reçu sur ce plateau des chanteurs qui font partie de cette aventure, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il y a une... ça ne rejoint pas ce que tu dis, c'est-à-dire que tout le monde s'entend bien, l'impression que c'est une énorme famille et que... vaut mieux, on est profil bas, on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour la cause, pour la bonne cause. Enfin, ça ne devrait plus exister, donc ce serait mieux que de plus justement se réunir comme ça et que ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus besoin de ça. Mais on fait au mieux pour tous s'entendre et ça se passe très bien. C'est des gens normaux, quoi, je sais pas. Une autre association dont on peut dire quelques mots. Oui, une association dont je suis la marraine. Une association qui s'appelle l'association Chantal Mauduit, qui a comme but de monter des écoles au Népal. Il y a plus de 70% des enfants népalais qui sont complètement illettrés. Donc c'est une goutte d'eau dans un océan que j'essaie de faire en montant ce genre d'école et en essayant d'aider cette association qui était dans le besoin à une certaine époque, qui a failli fermer les portes en fait à un certain moment. Et de ma petitesse, j'essaie de médiatiser et de parler de cette association pour ramener des fonds dans le but de développer des écoles et des internats pour des enfants qui sont certes privilégiés, mais d'en accueillir bien d'autres. Là, on a 164 enfants, on essaie d'en accueillir davantage des enfants. L'école est payante là-bas, donc il y a beaucoup, énormément de misère. Ouais. J'y suis allée. Quand on revient de là-bas, on doit se sentir changé. Tout petit. Ça fait mal et en même temps, ça fait du bien. C'est très bizarre. Ça remet les pieds sur terre. Je les avais déjà, je les ai jamais perdus, mais ça m'a encore plus mis les pieds dans la terre. Ouais. Tout au fond. Dire, Je vais te laisser aller t'installer. D'accord. Je disais, avant les publicités, un très très beau duo que vous nous offrez ce soir tous les deux. Et là, franchement, on vous gâte et c'est un énorme cadeau sur l'une des plus belles chansons de Tété à la faveur de l'automne, Jennifer Tété. Ah, là, tout le monde. Super beau duo, venez nous rejoindre tous les deux. C'était, je rappelle, le sacre des Lemmings et autres contes de la Lisère. Et toujours dans les bacs, et il sera le 2 décembre au Groupe du Nord à Paris. Et il va peut-être venir nous rejoindre un petit peu avant de se sauver. Je suis troublée, merci. J'ai eu un beau cadeau. Merci à toi. Vous vous rendez compte quand même que Jennifer nous remercie alors qu'elle vient de nous offrir chose que d'inédit. Merci beaucoup. Et puis, il y a vraiment dans cette émission des artistes que j'admire énormément, avec des univers bien différents. J'écoute de tout, et le fait de chanter avec Tété, ça fait tout drôle, quoi. Donc c'est un beau cadeau, merci. C'est cool. Je connais la chanson par cœur et j'ai eu besoin de prendre les paroles, c'est ça qui est dramatique, parce que je connais par cœur toutes ces chansons, presque, et j'avais tellement la pétoche que j'avais peur de faire des trous et de ne pas pouvoir avoir profité du cadeau qui m'était offert. Bah, c'est beaucoup plus bon, mais pour le coup, c'est toi qui m'as fait un cadeau. Enfin, vraiment. Ah, c'est gentil, merci.
Ils sont trop modestes, ces artistes, ce soir. En tout cas, c'était vraiment très beau, plein de douceur, plein de tendresse. C'était un beau moment. On va redire quand même quelques mots sur cet album. Le bonheur, ça entretient. Il y a un texte sur ton album qui est très drôle, qui est écrit par Julie Démé, qu'on a souvent reçu sur ce plateau. Fan également. Il y a énormément de talent. Oui, je l'adore. Vous aviez, c'est la première fois que vous travaillez ensemble ? Non. Enfin, ouais, qu'on se voit vraiment et qu'on travaille ensemble. Oui. Et c'est toi qui, c'est elle qui est venue vers toi qui t'a dit j'ai une chanson qui serait super pour ton album. J'ai ou c'est demandé toi qui en fait à la rencontrer. Et bien voilà, il y a eu ce petit feeling et elle m'a proposé donc le bonheur, ça le bonheur m'a vautin. Il y a un autre titre qui s'appelle Portrait d'une femme heureuse. Et voilà. Et puis j'ai tout de suite adoré. Et c'est une artiste que j'aime encore aujourd'hui. Elle a fait un super album. Je trouve qu'elle a un vrai talent d'auteur. Et sa plume, voilà, j'ai adoré. Elle a une belle sensibilité. Et puis au milieu de tous ces hommes qui ont travaillé sur ton la album. Touche féminine. Mais on la sent d'ailleurs tout de suite. La touche, déjà la touche de Julie. C'est vrai qu'elle parle plus d'ailleurs aux filles. Ouais. Cette chanson, Le bonheur me vaut un. Sinon j'ai une tête de rien. Ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Et parfois si. D'ailleurs le bonheur c'est un thème qu'on retrouve également dans la chanson qu'on va écouter tout à l'heure comme un hic. Ouais. Comme un hic. Est-ce que le bonheur ça fait peur quand on est dans un tourbillon comme ça que tout se passe bien et qu'on le mérite d'ailleurs. Il y a des moments où on angoisse. On demande justement avant que l'album sorte, on se dit il y a eu tellement de bonheur peut-être que. Rien n'est jamais acquis déjà. J'ai beaucoup de chance, j'en suis très consciente. Je me répète très souvent quand on m'a déjà posé cette question, mais je répète toujours la même chose. En fait, j'ai la chance de vivre énormément de bonheur. J'en ai conscience de ce bonheur-là, donc je ne peux pas m'empêcher de me poser la question quand est-ce que ça va me tomber sur le coin ? Quand est-ce que ça va me tomber sur la gueule ? Et en même temps, c'est peut-être un truc pour se protéger aussi, cette question-là, pour plus vite retomber sur ses pattes au cas où ça arrive. Mais ça peut arriver à n'importe qui quand on a une accumulation de bonnes choses, de jolies choses qui vous arrivent. Il y a bien un moment où ça va retomber, quoi. Et je peux pas m'empêcher de me poser cette question-là. Et David donc a deviné plein de choses chez moi parce que c'est un texte. J'ai pas indiqué de thème, j'ai pas voulu aborder forcément ce sujet-là. C'est le texte le plus autobiographique et la chanson s'appelle Comme un hic. Donc c'est David qui a su. Peut-être deviner des choses. J'ai un espèce de doute avec moi-même en permanence, même si j'ai conscience de la chance que je vis et je pense pas être sans talent aucun, mais juste je vois des gens qui en ont plus parfois et de temps en temps, je peux avoir le doute sur moi et ça fait partie de mon caractère et donc je fais avec. Donc il y a des jours où je suis plus fort, des jours où je suis plus faible. C'est ce qui fait que tu n'as pas la grosse tête et que tu n'as jamais et que prise. Je chante, voilà. Et je pense. Et aussi tu chantes, ça, moi je ne sais pas. Il y a une autre chanson très belle, Nos Futurs, avec d'ailleurs, je crois que c'est celle-là, où un certain Guillaume Canet a joué de la guitare. Oui, effectivement. Qu'il a aimé beaucoup. C'est un artiste que j'aime la beaucoup. Chanson, c'est ça. Et c'est un musicien, Guillaume, très touchant, très attachant. Donc il joue de la guitare et on était amenés à se voir. Et il a écouté quelques titres comme ça en suivant un petit peu l'évolution des maquettes au studio. Et en fait, Maxime lui a proposé si ça le branchait. Et moi, c'est un merveilleux cadeau parce que j'adore l'artiste, j'aime le mec et j'adore le musicien aussi. Donc j'ai eu un joli cadeau également. Et toi, c'est ta chanson préférée d'album ? Et moi, c'est ma chanson préférée, oui. C'est mon texte préféré. Eh bien, écoute, on va la découvrir si tu veux bien. Je vais essayer d'aller t'installer. On l'applaudit très très fort. On va écouter Nos Futurs, qui est donc une très très belle balade de cet album. Et puis juste après, on écoutera une autre chanson que moi j'aime beaucoup, c'est Si c'est une île. Deux univers complètement différents. Une balade et une chanson qui va mettre le feu sur ce plateau. C'est parfait. On les applaudit très très fort. Jennifer. De l'album Lunatique qui est déjà numéro 1 vient nous rejoindre et
elle sera, je vous le rappelle, le 10 avril au Zénith à Paris, le 12 mars à Marseille, le 14 mars à Toulon, le 15 mars à Lyon, le 25 mars à Bordeaux. Une grande tournée numéro 1 des ventes. Et si c'est une île, peut-être un jour un futur single. En tout cas, moi j'adore. Peut-être. Moi je fais de la musique après le single. Voilà. C'est secondaire. Lunettes. Enfin, non, c'est pas secondaire. C'est hyper important, mais c'est un choix qui se fait avec tout le monde. Tu ne poses pas la question au démarrage. Non, au démarrage. Tu dis pas ça, non. C'est un tube, ça. Ouais. C'est ça qui est bien. Lunatic, c'est une chanson d'album. Je pense d'ailleurs que c'est la dernière. Voilà, on arrive en fin d'émission, j'ai le cerveau un peu embrumé, mais c'est bien la dernière de l'émission. Ça évoque une certaine face cachée, mi-ange, mi-démon. Quand on te voit, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a une partie de démon en toi. D'ailleurs, on a tous une petite partie de démon. Un plus sale caractère. C'est ton anniversaire il n'y a pas longtemps. C'était mon anniversaire, ouais, le 15 bon novembre. Bon anniversaire. D'ailleurs, vous pourriez tous lui chanter bon anniversaire. Yeah. Alors, normalement, on a quelque chose, mais bon, tu l'auras en fin d'émission. C'est un disque de diamant. Merci. Non, on l'a fait avec les moyens du bord, mais bon, ça devrait quand même te faire plaisir. Il y a une chanson, moi, que j'adore sur l'album. Si je suis enfin un parcours. C'est bah oui, mais c'est on se lâche. Hein. Au bout d'un moment, on n'a plus l'impression de faire une émission, on a l'impression d'être dans un salon, entre nous, et d'écouter de la bonne musique. Le parfum, moi, je sais pas trop. J'hésite entre Si c'est une île ou Le parfum pour ma chanson préférée de l'album, si ça intéresse cool. Une personne. Peut-être ma mère qui est devant sa télé. Mais Le parfum, non, j'adore. Ça m'intéresse. Des sonorités, cette fois, ça fait penser sonorité un petit peu en orientale. Ouais. Oui. Elle est partie d'un bœuf, en fait, cette chanson, avec Maxime Ebler, qui est musicien, qui vient de Londres. On a un ami en commun, il a atterri au studio, on a fait de la musique, et c'est le seul jour où j'étais pas là quand ils ont composé une île. Enfin non, il y a plein de jours où j'étais pas là, mais j'étais quand même là. Enfin bref, c'était un jour. Vous avez compris un truc là ? Donc, en fait, pas là du tout. Ils avaient pris le texte. Donc il y avait David. Donc Maxime et Blair se mettent à buffer et puis ça fait le parfum. Et moi j'arrive et je découvre. Donc je descends tout de suite dans la cabine de chant. Ça m'éclate. Et voilà. Et donc sonorité orientale. Mais je suis très fière d'avoir une sonorité orientale parce que ça me permet d'avoir un clin d'œil par rapport à mes origines. Mm-hmm. J'ai un espèce de mélange. Très beau. Oui. Non, mais je suis pour le mélange. Je suis fière de mon mélange et donc je voulais faire des clins d'œil. Et d'ailleurs, la pochette, je suis contente fait parce que ethnique. Voilà. Donc, la pochette est magnifique. Elle est très colorée. C'est des potes qui ont fait cette pochette. Fabien et Gia de MyFest qui ont monté une galerie d'art à Ajaccio et je leur ai demandé d'essayer de me faire la pochette de mon album et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait tout le livret, je suis contente. Les photos sont magnifiques. Je me tourne vers toi. Ouais, je sais pas que tu es déjà prêt, j'adore ça. Je n'ai même pas besoin d'écouter du Bob Marley. D'ailleurs, sur ton album, on retrouve plusieurs couleurs musicales, dont aussi oui, du reggae. Un clin d'œil, une sonorité reggae. Bob Marley, avec, ça fait forcément partie de tes influences, je suppose. Ah oui, bah, il fait partie de la musique qui a bercé mon enfance et qui me berce encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est une légende incontournable. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? En ce moment, j'écoute Arctic Monkeys à fond dans ma voiture. Toi aussi, t'écoutes dans ta voiture, moi aussi, j'écoute dans ma voiture. J'écoute partout, en fait. Et en plus, dans la voiture. Et en ce moment, dans les embouteillages. Voilà. On va continuer. Avant-dernière chanson de l'émission, malheureusement, on approche de la fin. Dangereusement. En parlant de voyage, Jennifer, vous avez, pour finaliser l'album, vous êtes allée à Los Angeles, vous êtes allée à Londres. Ton album qui a voyagé également. Ouais. Déjà, on a voyagé à Paris beaucoup dans ce studio. Donc, dans notre cocon familial. Ensuite, on est allé. J'ai eu l'honneur d'avoir. En arrangeur de cordes et cuivres, Monsieur Simonel. Donc, on s'est déplacé à Londres. Il nous a reçus chez lui. On a enregistré les cuivres dans sa maison et les cordes dans un studio. Et c'était l'un des moments les plus magiques, les moments où j'ai eu la chair de poule. Voilà. Et ensuite, on est allé à Los Angeles faire le mix de l'album. Chez Bob Kermontaine qui a mixé donc cet album, donc bel honneur aussi de l'avoir
sur mon album. Voilà, c'est tout. C'est juste deux génies auxquels j'ai eu encore droit. Donc c'est super. Je suis super contente. Et puis ils ont vraiment aimé ce qu'ils faisaient. C'est ça qui est cool. Je dis ça vraiment toute humilité. C'était pas juste mixer un album. Mais en plus, ils avaient mixé déjà mon précédent album. Et là, il y avait un changement. Donc ça l'amusait. Il s'est amusé, quoi. Et c'est cool. En parlant d'honneur et d'immenses artistes, également la collaboration de Mathieu Chédid. Et c'est vraiment un album aussi qui a été fait en famille. C'est votre famille, c'est vos amis. J'aime. C'est, Oui. Et il y a que des gens. Je vais pas non plus faire des chansons avec des gens que j'aime pas. Non mais bon, vous êtes. Non mais oui, c'est vrai que. Proche. Mais j'ai eu de la chance de faire ces rencontres-là et qu'ils veuillent bien me porter et qu'ils aient ressenti des choses. J'aurais pu rien inspirer du tout à personne et puis voilà quoi. Je vais et ne pas sortir de troisième album aussi. Ah non, ça tu peux et pas. Ouais, mais ça aurait pu. Avant de te laisser t'installer les scènes, tu as hâte de retrouver ton public, d'être sur scène et essayer maintenant de jouer cet album pour toutes les fans. J'ai vraiment hâte. Ouais, je commence au mois de mars, très loin, donc j'attends ça avec impatience. Et ben, on sera au rendez-vous. J'espère. Laisse. La scène est à toi. Merci beaucoup. Une très belle émission à l'image de notre invité d'honneur. Une artiste, je répète, simple, généreuse. Un très, très bon album. Merci à tous les musiciens de Jennifer. Elle sera donc le 10 avril au Zénith de Paris. Tété, qui était également... La surprise en retard, merci beaucoup Jennifer. Et le single qui est sorti aujourd'hui, Tournez ma passe, qu'on entendait en début d'émission, merci. Ils ont mis du temps à aller chercher les...